Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concept un petit peu particulier sur ma chaîne, un peu nouveau. Tout simplement, on va jouer Mortis en ranked. Je suis actuellement master à 9 points d'elo. J'ai pas push plus parce que j'avais un peu la flemme. Le principe, ça va être de jouer Mortis avec des modificateurs et des maps aléatoires. Ça peut être de la prime, hors-jeu, brawl ball, etc. Là par exemple, c'est de la prime, voilà. Et la règle, ça va être en gros de prendre Mortis à tout. Les pics, enfin à chaque fois qu'il y a une nouvelle game, bah, je dois prendre Mortis. S'il est ban, bah on doit viser, je prends un autre brawler, enfin bref. J'expliquerai tous les détails dans une autre vidéo ou en tout cas quand le moment sera venu. Donc tout ça pour introduire un très gros projet que j'aimerais entreprendre, entre guillemets, qui va être de push master, soit sur mon gros compte, celui que vous voyez en ce moment, soit sur mon petit compte. Ça sera de push master, full Mortis, only Mortis comme vous voulez. Mais en gros, comme je vous ai expliqué juste avant, faudra prendre Mortis à toutes les games. Donc ça va être un projet assez dur, assez long, assez rageant et vraiment exigeant, mais en vrai je suis assez motivé, donc je pense que c'est faisable. J'ai déjà fait master super facilement, c'est pas bon me vanter, mais j'ai vraiment presque pas des rushs et j'ai pas beaucoup rush hein, en vrai c'est réel tout ce qu'ils disent que star c'est égal à diamant en PL, donc les gars c'est largement faisable. Si j'arrive, j'essaierai de faire ça peut-être toutes les saisons ou peut-être alterner avec master full Dina, full bull, full primo, en gros des brawlers que j'aime bien. Si ça marche bien, bah tant mieux en vrai. Et un dernier truc, ça serait de peut-être faire master, là c'est une idée un peu chelou, ça serait de faire master en faisant tourner la roue. En gros, à chaque game, je clique pour faire tourner la roue et je prends le brawler qui est indiqué. En gros, imagine la game, c'est un truc de hors-jeu, bah je dois prendre Hank, tu vois. Donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, on essaiera dans un premier temps de push master que avec Mortis. Et la vidéo que je fais actuellement, c'est pour vous montrer mon niveau avec Mortis, comment je le joue, etc. Moi dans les commentaires si vous pensez que je peux réussir en vrai. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Donc comme vous avez pu le voir, la map de prime c'est étoile filante. Donc je pense à mon avis que c'est la meilleure map de prime pour Mortis parce qu'elle est open et souvent les adversaires sont assez regroupés. Donc en vrai, je suis tombé sur une bonne map. En face, ils ont pris de la Charlie, du Korbach et du Fang. Charlie, ça me counter un peu, mais par rapport à Korbach et Fang, c'est le meilleur matchup. Voilà. Avec nous, on a du Carl et de la Mélodie, de brawlers assez forts quand même sur la map. Donc voilà, on commence. Donc les gars, n'hésitez pas quand il y a des modificateurs à jouer avec eux. Par exemple, là, c'est les Bush. Donc avec mon Mortis, au niveau du milieu de la game, il y aura déjà quand même des bushs assez conséquents, donc je pourrais m'y cacher quand même. Ok, donc on arrive, on va rester dans le bush, on voit que les ennemis sont avancés, on va claquer un gadget et essayer de les toucher en même temps. On a bien chargé l'ulti, on est mort, c'est pas grave, mais au moins on a chargé un peu d'ulti. Comme vous pouvez voir, je suis à 3 coups d'ulti si vous comptez bien. Là on va refaire une offensive mais complètement idiote, fallait pas faire ça, mais en tout cas là on va mourir, ouais. Sûr. L'offensive de juste avant, elle était bien mieux parce que j'avais remarqué qu'ils avaient un peu gâché des munitions. Donc je pouvais les rush sans me faire direct tuer et en profiter pour charger mon ulti plus facilement et un peu plus d'ulti. Donc là on va tempo un peu. On voit que la Charlie elle hypercharge mais qu'elle est low. Donc en vrai on peut la tuer facilement avec un ulti. Ça c'est clean. Le Fang est low aussi, mais je pense que c'est pas la bonne idée, la meilleure idée. Ok, bon c'est pas grave. C'est la première game, c'est le truc des chauffes. On va prendre ça pour ça. On va continuer. On va voir, comme vous voyez, en début de game je vous ai dit qu'il y avait le bush au milieu, bah on va l'utiliser. Mes mates aussi l'utilisent, mais pour Mortis c'est vraiment important. J'ai une hypercharge du côté de la Charlie, mais on va quand même la rush. On n'a pas claqué de gadget, si vous avez remarqué, c'est pour bait son ulti. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Oh non. En même temps, je joue pas dans mon wifi. Ok, bon, on perd 19. La mélodie qui rage. On va essayer de carrer la fin de la game. Je sais pas si on peut gagner, mais on va essayer. Aïe. Aïe. Bon, c'est la première game, les gars. C'est rien de dramatique. On a encore deux trucs à gagner. Eux, ils ont un truc à gagner. C'est pas grave, c'est pas fini. On réenchaîne. La mélodie qui va. Il va probablement rager contre moi, mais en vrai, les gars. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir plein de trucs de moi normalement et je vais carry. Il y a par exemple cette game, je vais vous montrer. Si vous regardez cette game, vous allez voir que en vrai la game est belle. On va reclaquer un gadget. Normalement, on peut tuer la Maisie, la Charlie. Ok, non, c'est pas grave. On a chargé presque. Non, c'est 3 ou 4 ça. Je crois que c'est 3 coups. Donc il nous reste encore 2 coups pour avoir l'ulti. Donc là, c'est free. Le Korbach c'est free. Là, on voit que la Maisie, que la Charlie est low. On aurait pu aller sur le Fang et claquer un ulti sur la Charlie, mais j'avais peur qu'il me stun et que je meurs. Donc le principe, ça va être, si vous voulez, si les adversaires ont des gadgets qui stun ou des ultis qui stun et qui repoussent, etc., essayez de premièrement les bait, c'est-à-dire vous allez vers eux, vous claquez pas de gadget, il va le faire, et après tu reviens en arrière. Ok, bon, j'ai fait n'importe quoi, mais au moins j'ai tué le Fang.
J'ai pas le meilleur wifi, on va pas se mentir, parce que je suis pas à côté des wifi. Bon, c'est pas grave, normalement on là on meurt, c'est pas grave. 8-6, pour l'instant les gars je fais de la merde je sais, mais normalement ça va s'améliorer, vous allez voir. 8-6, rien n'est joué, on est un peu loin de l'ulti, on est à 4 coups si vous calculez bien. On va essayer de la charger sans trop mourir, ok le fang. Ok bon c'est pas grave, j'ai claqué un gadget, il m'en reste plus, mais je suis à 2 coups de l'ulti. Normalement je peux arriver à faire un combo, 2 attaques, plus une ulti, plus une autre 4. Ok le fang, qui a fait une erreur. Oh, je me suis chié dessus les gars, c'est my bad. On a plus d'ulti, au moins on a sauvé un peu le... Ok, le corbac en vrai les gars. Ok, on va essayer de faire un combo magnifique. Je sais pas si vous avez vu, bon je suis mort, c'est pas grave. Bon, j'ai fait le kill et en plus regardez mon ulti. J'étais à 0 d'ulti et en une offensive j'ai réussi à mettre 4 coups. Donc ça c'est vraiment ultra bien. On est dans le bush les gars, ils savent pas où on est, on va essayer de team whips. Ok, attaque ulti, attaque ulti. Ok le croc, ok non je meurs. Oh let's go, la mélodie qui gagne. Les gars vous avez vu ce que je viens de faire ou pas? Je viens de les team whips, donc ça veut dire que j'ai attaqué sur... il me restait plus qu'un coup pour l'ulti. Donc j'ai attaqué sur soit le corbac, soit le fang. Ensuite j'ai ulti aligné, donc j'ai tapé les 3. Donc ça m'a rechargé 3 quarts de mon ulti. Donc il me restait plus qu'un tir à faire. Donc j'ai attaqué sur le fang, donc avec le plus d'HP. Et ensuite j'ai re-aligné l'ulti, ce qui m'a permis de recharger ma vie ainsi que mon ulti. Donc les gars vraiment prenez-en de la graine, parce que c'était vraiment un bon move qui nous a permis de gagner. Parce que j'ai fait le kill sur le fang, j'ai mis vraiment low le corbac et la Charlie. Donc vraiment déjà amorti c'est trop OP. On enchaîne sur la deuxième game, donc là il y a 3-2, donc on est un peu au milieu, on a le contrôle, on va rush la Charlie comme ça, on va mettre un ulti un peu foiré, ah non, on y va sur le fang, donc tant mieux, et on a tué la Charlie, on a presque l'ulti, on va back, et on tue le fang. Par cette occasion, on va ulti pour être sûr. Donc là, on est dans une situation un peu délicate. On voit que la Charlie est un peu low, on va la tuer. Parce qu'on a le gear dégâts en plus. Donc, c'est-à-dire, on fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, on l'a tué. On a fait un 1 pour 1. Les gars, dites-vous que des 1 pour 1 avec Mortis, c'est vraiment pas de la merde. Parce que c'est pas toujours qu'on arrive à faire des 1 pour 1. Et en plus, ça nous charge de notre ulti. Donc vraiment, c'est bénéf les 1 pour 1. Donc n'hésitez pas à mourir, même si vous faites le kill. Là, le fang, il est low. Donc c'est free kill. On va essayer de charger l'ulti. Non, ouais, ça va être compliqué. Elle va nous tuer. Ok, bon, pas grave. La claquer une hypercharge. 14-12. On gagne toujours, peut-être qu'elle va mourir la mélodie. On va essayer de la décocon, la protéger. Ok, on l'a tanké. On sait qu'il y a le fang à l'intérieur, le croc qui est à droite, la Charlie qui a intégré aussi le bush, le croc qui est là. Ok, intéressant. On va back. Rien ne sert de se précipiter. Ok, le fang qui nous rush. On a un ulti. Je tue presque le fang. Le Karl, ok. Ok, le fang qui a chié une ulti. On est dans la merde, les gars. On va essayer de se désembourber. Intéressant. La mélodie qui fait le taf, à mon avis. On va essayer de rush la Charlie parce qu'elle est très low. Ok, nice le kill. Là, on va team whips. Hop. Magnifique. Ulti. Oh là là. Qu'est-ce que c'était beau. Magnifique. Bon, voilà, c'est un peu un carré de ma part, les gars, sur cette game. Hein. Même si la Charlie a bien joué avec le Karl. Mais en tout cas, là, on peut pas dire l'inverse. J'ai beaucoup de morts, mais j'ai beaucoup de kills. Donc, j'ai rempli mon taf. Super low qui m'invite, bon je vais refuser, désolé. Parce que je rush en random le ranked. On est reparti pour la deuxième game les gars, let's go. Ok donc la map c'est Grand Canal avec les bush qui spawnent au milieu. Intéressant, intéressant. Je vous épargne la draft parce que je vais juste pick Mortis. Ça va pas être très intéressant, je l'avais laissé pour le début parce que c'était l'introduction où je vous introduisais le projet que j'avais. Donc on est parti direct en game, let's go. Ok donc on est parti en face du Rico, de la Willow et du Surge, à peu près des counters. Tous les brawlers sont des counters, sauf Willow, je veux dire. On va claquer quelques dash pour intégrer le bush direct. Ils savent pas trop où on est. On va aller sur le Nantes. La Willow, on va essayer de taper les deux en même temps. Peut-être un ulti. Ok, dommage. Ils ont bien joué. Là, j'ai un coup de l'ulti. Donc c'est pas mal, on perd, mais bon, ça c'est le début, on peut rien y faire. On a le contrôle des bush, le Ricolo. Oh, le double kill magnifique. Ça c'était très bien joué les gars, j'ai pas stressé, j'ai pas paniqué, j'ai mis un ulti parce que je savais que... Ok, un slow de la Rosa, le Surge qui est là, on va switch sur la Willow, je sais pas si vous avez remarqué les gars. Mais je change d'adversaire, parce que eux ils savent pas que je suis là. Ok, bon le Karl qui est un peu bête, ils font souvent ça mais random. La Rosa qui va parvenir à faire le kill. Moi je fais ça, c'est pas très très bien joué, bon c'est my bad. Le Karl qui est... On a toujours le contrôle des bush, ça c'est le... Je pense le plus important. Parce que quand tu parles à contrôle des bush centraux, il faut avoir une team qui arrive bien à reprendre le truc et les bush centraux. Et donc nous on a pas trop ça. Donc bénef. La Willow qui est là, on va essayer de la rush. Masterclass. Et j'ai tué le Surge, non? On va tuer le Rico, non, ok, c'est... Oh! Magnifique, en plus elle m'a heal. Oh là là. Et en plus elle me remet dans mon camp, oh magnifique.
19-11. Là, c'est une petite masterclass. La Rosa qui hypercharge. Ça veut pas dire qu'elle va tuer. Ok, bah magnifique. Game assez facile, je dirais. Parce que on n'a pas. Les adversaires nous ont pas trop mis de difficultés. Trop de bâtons entre les roues. Donc ça, tant mieux. On va refaire la même technique. On va mettre les deux dashs au milieu. Je pense que. De toute façon, c'est tout le temps ça. De deuxième round, les équipes adverses changent de tactique. Donc là, probablement que je vais affronter le Surge. Ok, non, la Willow. Ok, normalement, ça doit être free kill. J'ai un peu mal joué. Normalement, free kill. Ok, insane. 4-3. On a un peu d'ulti. C'est pas ouf quand même. C'est pas ouf. Mais bon, au moins, on a un bush. Si on a un bush, c'est chill. On va essayer de bait un ulti de Rico. Ok, non. Ok, bah, il l'a fait tout seul. Bon, ça, c'est pas ouf, pas ouf. On va essayer de faire le tour, je pense. En vrai. On va voir ce que ça va donner. Allez, peut-être on va faire le tour. Ok, je sais pas. Ah, je sais pas. On va rush le Rico. Ok, on a fait un kill. Ça, c'est bien. On a l'ulti. On aurait pu claquer l'ulti, mais je pense pas que ça aurait été le meilleur deal de claquer l'ulti. Ok, magnifique. La Rosa qui prend kill, le Karl, j'ai peur. Ok, non, bon, ça va, il meurt pas. On sait quel Rico là. On va. Ok, bon, j'ai un peu mal joué. On peut essayer de le rush. Parce qu'on est à un coup d'ulti. Hop, magnifique. Oh là là. Magnifique. On va. Oh, on est trop gourmand. Normalement, elle fait kill sur la Willow, magnifique. 13-10. Ça, c'est bien. Le Karl un peu low. Normalement, on a le contrôle des bush encore. Eux, ils sont pas dans les bush. Le Rico qui fait une grosse erreur. Moi qui magnifique. Oh là là, double kill, magnifique. Masterclass du joueur français. Et on a les qualités, c'est ça. On a les qualités, les gars. Oh là là, insane. La Rosa et le Karl qui ont bien joué en vrai. Ils ont bien fait leur boulot. Et puis moi, je dis boulot. Hein. On gagne plus quand. Oh, on gagne fou les lois en plus. Ça c'est bien. Voilà, voilà. Petit prestar rare, super rare. Les mottes. Le tag, la bannière, le skin. Ok, non, ok, juste 50 jetons. C'est pas grave, on relance directement et sans plus attendre, let's go. Ok, donc on arrive directement au game. Dernier arrêt, Razia Gem en mode classique, ça c'est bien. On est encore face à des masters comme d'hab. Logique, on est premier à pick. Bon bah, de toute façon, on va pick Mortis. Hein. Qu'est-ce qu'on va ban? Alors, en général, je ban des counters, hein, pas forcément des trucs qui sont forts sur la map, mais des counters qui. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ban Emery, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on pré-shot le Mortis comme ça, les autres ne me le ban pas. Donc, on est parti, je vous passe la draft, let's go. Ok, on arrive directement en game. Chez Lyrico, Piper, c'est pas les meilleurs. C'est des assez forts counters, surtout chez Lyrico. Piper avec son gadget, ça va être très chiant. Avec nous, il a pris du kit, ce Golemon. Les gars, moi, je vais trop mal jouer pendant la game, les gars, je m'en excuse. On peut pas jouer très bien toutes les games. Et en plus, en face, ils ont une bonne compo. Et mes mates, ils puent la merde. Voilà, mais je vais faire que mourir, m'en excuse. Le kit, les gars, vous allez voir ses stats à la fin, mais c'est sale de baiser le Rico. Ouais, en fait, je peux pas faire grand chose parce que si je fais sur le Rico, en fait, j'aurais dû plus aller sur le Rico, plus me fight parce que là, je fais que subir. Le kit, t'es moi ce qu'il fait, il va sur la Jessie, ils se font défroyer, ça me saoule. Pas grave, on n'a pas d'ulti chargé du tout, on fait que subir des ultis du Rico, des forces d'attaque. En même temps, Rico c'est trop fort sur la map. On va essayer de l'attaquer, mais bon, on se prend un sale gadget. Ouais, c'est qu'il en a 3 dans la partie et je peux pas lui faire utiliser 3 fois dans la partie et après la partie elle est déjà finie et j'aurais rien fait. Donc ouais, je suis un peu dans la passe, on va. Ouais, on peut pas faire grand chose, on va essayer de. Oh, la Piper qui joue bien même. Qui toi qui font rien comme d'hab. On va essayer d'aller sur le Rico mais il va se prendre un sale gadget 100%. Maintenant il va mourir, voilà. Même pas par le. Ouais, je pense qu'il fout. Oh là on fait un bon move, ça c'est intéressant. Et on se prend un sale ulti de la Shelly. La Jessie qui reprend les gemmes. Masterclass. Le Rico qui est à droite, la Shelly qui va être dans le bush à gauche à mon avis, la Piper qui reste là. Ok, elle claque la gadget. Elle claque un ulti, ça c'est bien. On va essayer de team whips un peu. Ok, magnifique. Le kit qui a juste à protéger. Et voilà. Première game gagnée. Masterclass. Ok, on enchaîne sur la deuxième game. Bah là, c'est moi qui ai carré quand même. Si j'étais pas là, on aurait perdu. Là, Jessie a juste ramassé les gemmes. Eux, j'avais fait perdre à je sais plus qui, la Piper. Ouais. Ok, on enchaîne sur le deuxième round. C'est parti. On va rester à gauche. À droite, pardon. À mon avis, on va perdre. Parce que là, en vrai, on a eu un big coup de chance. Ok, on fait claquer un gadget. Ok, bon, le Rico qui nous tue, c'est pas grave. Voilà. Bon, en vrai, on a eu de la chance.
J'étais assez vif. On va essayer de refaire claquer un gadget à la police, ça c'est bien. On meurt. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Intéressant, le kit, je le vois pas trop. Je prends pas les gemmes. On va prendre les gemmes. Le kit, ok, intéressant. Ok, bon, là c'était. C'est un peu my bad parce que j'ai fait de la merde. Et la Shelly qui vient nous spawn kill. Malheureusement, notre compo pue la merde. Enfin, juste avec le kit. Je vais essayer de refaire claquer un gadget à la Piper. Ça pourrait être intéressant. Non, on va aller sur le Rico. Ok, magnifique, j'ai bait son. Ah merde. Ouais, ben là j'ai mal joué un peu. La Jessie qui fait rien. Le kit, ouais, bon, le kit il peut rien faire. C'est pas grave, 9 gemmes. Le Rico assez low, il va nous mettre un ulti. Probablement non. Ok, on va essayer de faire un petit coup de génie. Ok, le kit qui meurt. Poli qui joue bien, ouais, bah je peux rien faire. Je peux rien faire, donc je peux rien faire. C'est fou. Ouais. On essaie de gratter les stats un peu. Allez. Non, même pas. Bon, pas grave. On enchaîne sur la suivante, mais bon. Je pense qu'on va pas faire grand chose. Compte tenu des games précédentes. Voilà. Bon, le kit, il est bousillé. Et la Jessie, bon, bah, c'est pas le meilleur pick en vrai, Jessie. C'est pas ouf. Pas grave, pas grave. Ça, au moins, ça m'entraîne à. Va chercher les gemmes, s'il te plaît, Jessie. Ok, nice, elle a raté son gadget. Ok, j'aurais peut-être dû aller la rush. Ok, pas mal. Bien joué. Voilà, parce que là, ça bug un peu. Ça m'entraîne au moins à jouer sur cette map. Au cas où je tombe sur cette map en ranked. Ok, on a bait un gadget. Mais enfin, on l'a pas trop bait finalement. C'est pris un gadget. On l'a fait utiliser. Au moins, on a les gemmes. On leur a pas laissé les trois. Faudrait qu'il aille chercher la. Vas-y, là. Mets-moi sur l'ulti. Ok, nice. On va les rush. La Piper. Mais pourquoi il gadget pas mon kit? Oh, c'est fou ça. J'ai un peu mal joué. J'avais pas qu'elle était là, Shelly. Mais ouais, c'est relou. Quand on est dans notre spawn, il nous spawn kill. Et ça, c'est trop chiant. On va monter. On va prendre de la hauteur un peu. Ok, il a claqué un gadget. Nice. Ok, bon team Whips. On peut aller sur la Piper. Non, ça va être compliqué. On va prendre les gemmes, même si c'est un peu bête. C'est pas grave, au moins. Limitons. Pourquoi j'ai fait ça? Et bah, j'ai un golemon. J'ai un giga golemon. Jessie qui va pouvoir faire, comme d'hab. On a perdu toutes les gemmes. Bah, comme ça, on finit la game un peu plus vite. Hop. En vrai, on peut faire un move. Ok, nice. Magnifique. Masterclass du kit. La seule action qu'il a faite de toutes les games. Littéralement. Ok, le Rico qui claque un ulti. Intéressant. La Shelly qui est là. Ok. Ça, c'est bien d'avoir la position. Ok, nice. Il vient sur mon dos. Intéressant. Masterclass. Je vais prendre les gemmes. Allez, kit. Allez. Ok, intéressant. Le kit. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 9 gemmes. Oh, on prend tout. À mon avis, on va toutes les perdre. Ah. Ah. Dommage. Ok, intéressant. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille. Ok, nice. Intéressant. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ok, intéressant. Ouais, bah elle va sauter en ulti. Ah là là. Dommage. Le kit aurait pu faire. C'est même pas fini. Le compte à rebours qui est revers, mais j'ai rien compris. C'est n'importe quoi. De toute façon, quand c'est des games comme ça, à chaque fois on perd. Hein. À chaque fois, c'est. Ils s'en sortent bien, nos adversaires. Là, c'est la Piper? Oh, c'est le Rico? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, s'il avait gardé les gemmes, on aurait pu gagner parce que j'aurais pris les gemmes. What the fuck? C'est quoi cette game de zinzin? Voilà, Shelly qui est probablement à droite. Hein. Ouais, bon, c'est finito. Ah! C'est finito. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, on a fait une lose. On a fait deux wins, une lose. Oui, bon, mes stats sont affreuses, mais Théma, c'est du kit. Je le signale parce que les gars, ils puent la merde. Non, on va pas le signaler. On va pas signaler parce qu'on n'est pas. Il est pas aussi méchant, juste on le like parce qu'en vrai, c'est monstrueux. J'ai pas besoin de le signaler. En vrai, Master, c'est tellement simple, donc c'est normal qu'il y ait des bas niveaux. Voilà, les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Je vous montre quand même, peut-être. Voilà, une victoire. Ouais, je suis deux fois joueur star, les gars, quand même. Deux fois joueur star, ça c'est.
C'est quand même important de vous montrer. Après, quand on a perdu, bon, on n'a pas, j'ai pas trop brillé. Bon, les gars, je vous montre quand même les profils de mes adversaires et de mes mates. Donc, en général, je tombe avec des mates plutôt pas ouf. Enfin, en général, c'est assez équilibré, mais là, par exemple, vous pouvez voir, mes mates étaient pas ouf. Lui, il est assez bon quand même. En face, là, je pense que c'est pas ouf. Et là, à mon avis, c'était un bon joueur. Voilà. Tabasco, il était assez piquant, je trouvais. Bon, tu vois, il a un bon profil, il a des rangs 35, etc., etc. Bon, c'est pas là, je vais pas me reposer sur ça en disant que c'est pour ça qu'on a perdu, mais voilà, parfois je vous montre pourquoi en vrai on s'est fait exploser. En général, c'est assez équilibré, hein, comme vous pouvez voir, c'est souvent c'est à peu près équilibré, mais bon, là je me suis fait un peu défoncer sur la première. Sur cette game, j'ai eu un assez bon match-up, enfin des bons mates, je pense, par rapport à nos adversaires. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Voilà. Bon, voilà la fin de la vidéo, les gars. J'espère que vous aurez kiffé le concept. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. C'était Toto 14. Ciao, ciao, les mecs.